Mets-le au monde, il faut mettre mon nom. Voilà, c'est ça. Toi, tu connais, non? Bonsoir, bébé. Attends, je te rappelle. C'est comment, bébé? Ça va. Mais tu as quitté où est tout ça là? Il a pris barrage comme ça, c'est qu'il se quitte à la maison. Mais il y a quel souci? Faut t'asseoir, il y a quel problème? Il ne m'assoit pas. Maintenant, il y a quel problème? J'ai un retard. Tu as quoi? J'ai un retard. J'ai un retard. Ah, tu n'es pas là à ton rendez-vous là, tu es en retard. Ça va combien de temps toi et moi on s'est vu? Mais tu dis que tu es un retard, c'est aide-moi, mais comment toi tu t'arranges? Comment toi tu dis quoi? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Tu es enceinte. Mais ça t'étonne pourquoi? Non, mais je ne comprends pas, tu es enceinte. Toi et moi, là, on n'a rien fait ou bien. Aïe, je suis enceinte et je suis enceinte. Toi aussi. Attends, tu racontes quoi, je ne comprends pas. Tu dis quoi? C'est que les femmes et puis garçons font et puis ils sont enceintes là. On a fait ou bien on n'a pas fait. Je suis enceinte, tu es étonnée pourquoi? Donc toi là, toi tu es une petite fille. Toi-même, tu es un grand garçon, non? Toi, dans ta situation que toi tu es là, ta situation critique là où toi et tous tes parents vous êtes en bas des bananiers là-bas, là, toi tu as tombé enceinte. Toi tu ne sais pas qui toi tu sors quoi? Toi tu n'as pas pitié de moi. Moi, un étudiant, toi, tu sais où moi, toi, tu sais où moi je suis. Ça va pas, tu m'as dit que Villa, là, c'est pour toi. Moi, je t'ai dit que Villa, là, c'est pour nous. Moi, il y a Villa, Bigan, ici, et puis ici, en cité. Aïe, mais t'as pas dit ça, c'est pour toi, tu veux venir m'étouffer dans mes études, quoi. Toi, t'as pas dit Villa, ça, c'est pour toi. T'as mis les trois frères enfants. Pourquoi vous, les grandes filles, là, mais vous faites comme si vous ne réfléchissez pas, même. Tu es enceinte, c'est par rapport à quoi? Mais c'est pas toi, tu m'as dit que tu arrives à manger, jusqu'à tu tombes enceinte. Tu m'as dit, mais tu m'as pas dit. Tu dis ça là, c'est pour ton papa. Donc c'est pas que tu es perdu là, tu t'en à l'université. Tu m'as dit ça, bien tu m'as pas dit. Donc, comme il t'a dit ça là, c'est quoi? Tu tombes enceinte quoi? Aïe! Hein? Bah, il t'a dit que mon papa a vu là, toi tu tombes enceinte. Tu es une petite fille. Tu connais pas ma situation. Quelqu'un. Bien sûr, moi mes parents m'ont chassé. Je suis venu habiter. Ton papa t'a chassé. Faut aller retrouver ton papa, hein? Ton papa qui joue à Wallah en bas de bananes, il faut aller le retrouver là-bas. Moi, ici, je ne me suis pas encore retrouvé. Aujourd'hui, on va vivre ensemble. Aïe, tu veux ou tu veux pas, on va vivre ensemble. Et puis, moi, il fait comment? Et puis, tu es venu un sac. Mais c'est mes barrages qui sont dedans. C'est ma valise qui bah, est tu là. Tu as une goût problème. Il faut le laisser pour toi là. Moi, je vis avec toi. C'est ton balcon qui m'a effrayé. C'est pourquoi ici je vis avec toi. Toi, tu vis avec moi. Tu as envie d'avoir tout le papa de ton enfant, quoi. Faut aller chercher qui t'a enceinte. Tu faisais là, tu ne savais pas que l'enfant allait sortir dedans. Tu avais dit qu'il a envie d'avoir trop papa pour mon enfant. Faut pas t'amener. Quand on vit ensemble. Moi, quand moi, je sautais, toi, j'étais saoulé. Ensemble. On vit ensemble. Voilà. Faut pas t'amener. Il y a plus de boisson, je suis saoulé. Je sais pas de quoi tu parles. Toi, tu vois, un étudiant, il ne s'est même pas encore retrouvé, même là, même. Mes cahiers, même, ça guérit dans ma main. Les mathématiques qu'on fait, même, je ne me retrouve pas. Diag, tu es enceinte. Si tu es trop étudiant, tu ne cherches pas femme. Je cherche pas femme. Quand tu es trop étudiant, là, tu ne cherches pas femme. Du moment où tu connais ce que les grands font, là. Mais maintenant, il a dit, tu tombes enceinte par rapport à toi. Il a dit qu'on va vivre ensemble. Attends-moi dans ton sac. Dans 2000 ans, il a arrêté taxi, on partit gérer ça. Faut venir en vivre ensemble. Viens, écoute-moi, viens. Ton mère tapé portail. Calme-toi, doucement. Doucement. Donne-moi les 2000, il a arrêté taxi, on est en famille. En famille de qui? Ah, yo, pourquoi chez ma famille? Donc, ici, là, c'est pourquoi? Ici, là, c'est pas chez moi, c'est ici, je prends les photos souvent pour mettre sur Internet. Faut pas regarder ça. Donne-moi les 2000. Bon, donne-moi les 2000. Je dis, donne-moi les 2000. Donne-moi les 2000, d'abord. Donne-moi les 2000. Faut commander taxi. Donne-moi les 2000. C'est grosse ça que tu as pris, non? Hein, géré. Faut trouver les 2000 là. Il y a arrêté le taxi. On partit en famille là-bas. À Yopougon. Donne-moi le téléphone et attrapé. Faut bien fouiller là-bas. Je sais même pas où il est. Oh. Mais tu vas. Attends. Tu fais quoi même? J'entends, tu m'enseignes et puis tu fies à mon portable, quoi.